Et bonjour à tête, bonjour les amis, c'est Kaz, bienvenue en vidéo, on continue la découverte, let's play gameplay découverte sur Nostell, MMORPG gratuit, on est en 2020 les amis, c'est là le sujet de ce let's play, est-ce que ça vaut le coup de jouer à Nostell MMO gratos en 2020? Je pense que oui, regardez, il y a le monde partout, je suis sur Cosmos hein, pour ceux qui se posent la question, serveur Cosmos, c'est blindé, il y a le monde partout, voilà. Le jeu gratuit, lien en description de la vidéo si ça vous tente. On va continuer l'aventure, je suis actuellement niveau 9, j'ai mon laineux de niveau 4, il faut que j'aille parler à Soraya de la boutique de mode et on va continuer notre leveling. Merci à vous pour vos commentaires, notamment, j'ai oublié ton pseudo l'ami, mais tu m'as bien aidé. C'est pas la touche tab pour cibler comme la majorité des MMO, mais c'est espace, voilà. Donc j'essayerai parce que c'est vrai que je trouve que c'est assez difficile de cibler à la souris. J'ai pas l'habitude de ce genre de gameplay, je suis plus... le tab targeting à l'ancienne. Mimi en mentor m'envoie. Tu as un nouveau client, je t'offre ton premier call quelque chose. Elle m'a offert quelque chose. Option anglais. Ajouter des options. Collier en or fait main. Ah oui, c'est vrai que j'ai crafté un collier. Et donc elle me donne des sélons. Et je vais pouvoir augmenter mon. Chaque sélon en un analyse. Ok. Sélon. Ok, super. Donc le sélon. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Oui. Je t'ai récupéré en ce moment. Je quittais ma boutique pour là-dessus. Donner le petit repas à Calvin Coach. On y va. J'y vais. Allez, on va aller voir Calvin Coach. Je dois pouvoir craft. Normalement. Augmenter, du moins. Un truc. Alors, j'ai ça. Un sélon. Cet objet ajoute une option de niveau 1 aux accessoires. Très bien. Donc là, je vais voir mes accessoires. Sur ma fiche de personnage. Je suis ici. Donc c'est ça. Ou pas. Où est mon putain de collier en or? Where is my fucking collier en or? Qu'est-ce que tu déconnes là? Bon, je l'ai pas vu, peut-être il était dans mon inventaire, mais je l'ai pas vu. Il est là. Ok, il est là, de toute façon j'ai pas le niveau pour l'équiper, très bien. Mais je voudrais l'upgrader. Et je sais plus comment on fait. On va retrouver, les amis, le craft. Alors, non, en fait, faut aller chez quelqu'un, non? C'est ça? Il me semble, j'ai plus. Le chimiste, il vend quoi lui déjà? Ouais, non. Combinaison, ah oui, c'est ça, ok. Alchimie, c'est pas ça, c'est l'autre, c'est le vendeur de merde. Je vais quand même aller voir, ça m'interpelle. C'est pas la mini-pays. On ira voir Calvin Coach. Bon, c'est sur le chemin, on le trouvera. C'est pas le rôdeur. C'est autre part, c'est là, non, c'est pas la place du marché. Oh mon casse, putain, je suis perdu dans le jeu, c'est ouf. Manager, info de Neusseville. Bon, je sais même plus, tu vois, c'est dingue. Hein. Moi, j'arrête de jouer 3 jours, j'oublie tout, c'est un truc de ouf. Je sais pas si ça vous fait ça, les amis. Moi, à force de jouer à trop de jeux en même temps, trop de MMO, tout genre, et ben quand je reviens, je suis perdu. Est-ce qu'ils mettent le truc des infos dans la ville ou ils mettent pas du tout? Logement, oh, je peux m'acheter une maison et tout. Moi, j'ai pas les sous, hein, de toute façon. Allez, on va voir l'instructeur. Calvin Coach. Coach! Ah, je peux apprendre un nouveau truc. Ah, super. Tiens, un cadeau de Soraya. Oh, elle est gentille, elle est mignonne, tout ça. Allez, on arrête de parler. Les compétences plus renforcent les compétences de base. Les compétences plus avec la même apparence doivent être ajoutées en même temps. Ok, donc on peut plusser une compétence. Donc... on va regarder ça. Malcomis te cherche. Veux-tu aller le voir? Oui. Débutant rétablissement de MP. Ça, je veux. En cours d'apprentissage. Ça peut être très pratique de rétablir des MP de manière rapide et efficace. Donc, compétences. Formation. Rétablissement de MP augmente de 20. Oui, donc c'est un passif. Très bien. Et il m'a parlé d'une compétence plus. Bon, d'accord. Super. Papam. Papam. Pam. Ah, d'accord. Je clique sur la compétence de base et j'ai la compétence plus en dessous. Ah, et j'ai déjà apprise là. Cette compétence a déjà été apprise. Donc le. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Donc par exemple. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est pas ce qui est le plus simple ce jeu. J'ai ici. Un coup armé plus qui fait plus de dégâts que le standard, donc je vais le mettre.
Ou pas? Ah non, ça veut pas. Alors, ah oui, d'accord. Là, c'est déjà activé. C'est ça, en fait, l'idée. J'ai déjà activé. J'ai compris. Putain, vache. Donc, j'ai ma compétence plus juste pour le coup de marteau. J'ai compris. Wouh! Pas simple, hein. Donc, je l'ai buffé, quoi. C'est une compétence plus buffed. Elle est buffered. Donc, je taperai plus fort. Plus grand. Plus vite. Plus durement. Avec force et courage. Alors, c'est pas le rôdeur quand même qui me fait décoller. Non, lui répare des maisons. Putain, mais je suis paumé dans ce bordel. Place, mini-pays, alchimiste, marché, boutique de mode, armurerie, ah, magasin de Paris, cercle du temps, téléporteur, ville instructeur, classement, Cupidia. C'est pas Cupidia? Bon, la logique n'est pas avec moi aujourd'hui, les amis, donc n'hésitez pas à me faire un... tout un speech sur... sur ça. À quel endroit j'upgrade mon collier. Salut, tu m'as dit que tu pouvais m'aider, l'approvisionnement, bordel, qu'est-ce que je dois faire? Se téléporter, d'accord, ramasser des fruits rouges dans l'espace-temps de pleine de doses vides de niveau 10, ok. Donc... collecte des fruits rouges. Alors, il y a eu une mise à jour parce que depuis, j'ai ma souris qui passe en mode sneaky sur les trucs. C'est casse-couille, comme tout. Ça m'insupporte ce truc-là. J'avais pas ça auparavant. Est-ce que j'ai un truc sneaky? Groupe bloqué. Verrouillage d'interface. Pas ça. J'ai pas l'impression d'avoir un truc qui m'enlève mon sticky de... mon sticky. Bon, pas grave. Ah si, c'est que ça se passe. Oui, bon, on y va. Alors. Clic. Une décision difficile. Allez. Oh putain, on peut avoir des lunettes. Oh merde. Oh, je veux les lunettes. Allez, c'est parti. Let's go. Deux chemins différents, c'est sûrement un piège. Je dois choisir un chemin. On se moque de moi avec ces petits jeux-là. Alors, il y a des clés, c'est les. On va les prendre. Une porte, c'est ouverte. Eh ben, c'est celle-là, on y va. Et on va tout de suite essayer le targeting avec le space. Ah ouais, ça marche. Pratique, je prends. Je valide. Ah ouais, je valide. Ah ok, free rouge, il en faut combien? 10. Mal branlé ce truc là. Pitu bordel. Bon, le timer on s'en fout, on est là pour la quête, hein. On n'est pas là pour faire péter le high score. Un hamster heureux. Ah, on peut tame des hamsters. Je nie tellement. Oh, c'est quoi ça? J'ai eu un saut du raid du roi des ratatouf. Merde. Ratufus. Des ratoufus. Ah! Si je m'emmène les pinceaux dans mes barres d'action, ça va pas faire. Bon, c'est casse-couille là, c'est bon là, combien les mobs là? C'est bon? Allez, bon, on verra les loot à la fin. Mais en tout cas là, ça tombe. Bon bonus. Voilà. Et ben, j'ai eu ce qu'il fallait en termes de fruits apparemment. Très bien. On va faire cet espace-temps. Tranquillement. On va peut-être looter à la fin, c'est mieux au fait. Combattre et looter à la fin, c'est moins bordélique, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment vous gérez votre truc, vous. Ouh, le cri-cric. Le cri-cric, le CC, bro. Ça, c'est fait. Allez, va là-bas. Hop. Ok, un ruban, amulette, très bien, on a une nouvelle pièce qui s'est ouverte, offerte à nous, allons-y. Clé, allez, je prends celle qui est en haut cette fois-ci. Ce qui nous ouvre, rien du tout, c'est combat instant, donc on va aller clean. Ah, petit tourbilol là, ça peut être bien. Allez, tourbilol. Ouais. Ça tombe un peu moins là, les loot sur cette partie de donjon.
Ah, suffit de le dire pour avoir des points bonus qui tombent. Niveau 10, les amis. On avance tranquillement, mais sûrement. Sur Nostel. Tu as pris une nouvelle compétence. Ah. Qu'est-ce que j'ai appris, Nebo? Il me le montre. Ah, je crois que j'ai un truc effectivement que je ne connaissais pas. C'est ça, non? Coup multiple. Flanque des coups répétés à l'adversaire. Ah bah on va tester ça tout de suite, dès qu'on peut. On va le mettre en raccourci ici. Voilà, nouvelle compétence apprise. Coup multiple. Et on arrive ici, les amis, à la fin du donjon. Et on va normalement looter une belle paire de lunettes. Moi je veux la rose, et bah j'ai eu les bleus. Et protection auditive, anti-mandragore et un nouveau lance-pierre. Bon, je me suis rustuf, gentiment, mais sûrement. Alors, lunettes, j'équipe. Ça, c'est à la place de mon masque, ouais, de mon chapeau. Oh la vache, putain, merde. Merde, 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 c'est quoi ça? Regardez le look. Mais je kiffe la vie. Niveau 12, de grande qualité, j'ai pas le niveau. Ok, retournons en ville. C'est Noseville ici? Non, c'est pas Noseville ici. Noseville, c'est en bas. Hop, on va retourner vers Noseville. Alors, faut aller. On va rendre notre quête des fruits rouges. En tout cas, j'ai le style, j'ai le look, j'ai la classe. Je suis passé niveau 11 même. Je vais tester mon coup multiple quand même. Sur celui-là, là, tiens. Pap, 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 pap. Ah, c'est propre. Moi, ah, je valide, c'est propre. Ok. Allez, on trace. Ça, c'est fait. Le lane est 6, je suis 11. Très bien. Donc là, il y a les plaines avec les champs en jachère. On va retourner dans la grande ville. Eh oh, où tu vas? Oh, le mec, comment il frime. Regardez. Il a une licorne noire volante. Alors, on va retrouver Malcolm X. Ah, il y a trop de monde dans ce bordel. Pourquoi? C'est les vacances scolaires, hein, en fait, là. Je tourne en période de vacances scolaires. Ça doit jouer énormément. Parce que, bon, il y a toujours du monde, hein, sur ce jeu. En ville, à Noseville. Mais là, je crois que c'est une des rares fois où j'ai vu autant de monde en pleine journée. De type bordélique. Alors, l'alchimiste. Oh, tu es déjà retour, merci pour ton aide. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Allez, du loot. Merci. Hey, Kaz. Oui, je m'appelle Eva. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Eva? Elle veut que je parle avec elle. On va voir Eva. Salut Eva. Alors, qu'est-ce que tu me proposes comme mission, ma grande? Récupère 5 petits pois. Fous ma gueule. Ah bah les petits pois, je pense que ça se floute sur les bordels là. Oui, vous vous souvenez? Il y a des espèces de haricots géants mangeurs d'hommes dans les plaines de Noseville. Alors est-ce qu'il me précise dans mon livre de quête où se trouvent les petits pois? Non, précise pas vraiment. Faudrait refaire le dialogue. Mais la flemme, hein. Quête principale, les petits pois, bon on y va. Hop. Ouais, je pense que de toute façon c'est ça. Hein. Je vois pas où est-ce que je pourrais trouver d'autres petits pois à part sur les haricots géants, la magique. Mangeur d'hommes, tiens, de l'or, je prends. Crève la faim. Casa crève la faim. Voilà, personne. Tiens, là il y a des petits pois. Allez, on tente tout de suite. Le loot de petits pois. Allez, là il faut. Bam! Blé! Ça loot des petits pois ou ça loot que dalle là? Qu'est-ce qu'il a lui? Tu veux pas? Qu'on fasse? Équipe? Veux-tu que je termine tes mots à ta place, mon grand? Ah là, ça loot des petits pois, c'est bien. Allez, on va lui répondre quand même, on n'est pas un sauvage, on va lui dire nos merci, je t'écoute bientôt. C'est bon, j'ai tué les petits pois.
petit pois, petit pois. Ah, dommage, j'ai un HL. Bah ouais, bah c'est bien. Je m'en fous que tu sois un HL, mon ami. Moi, je suis un AB. Des petits... Eh, ça marche pas, ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Collect. Petit pois. Faut peut-être lui ramener sur place, non? On va voir. Pour que ça valide, non? Alors, récupère 5 petits pois pour Eva machin. Chasse au... chasse pois mou et récolte 5 petits pois. Chasse pois et récolte des petits pois. Ouais. Alors là, j'en ai plus de 5 hein, déjà. Bon, on va quand même se retaper un bordel. Histoire d'être sûr. Et on va essayer de lui amener les petits pois, voir si elle me valide un truc. Parce que là, ça se décompte pas en moi à droite. Ça me perturbe. Je le sens pas là, je le sens pas. Si ça change, je vais me faire arnaquer. Allez, tape aussi fort que t'es bête. Petit pois objet de quête. Ah. Ah voilà, 1 sur 5. En fait, il y a petit pois objet de quête et petit pois standard. Donc c'est pas les mêmes. Enfin, si c'est les mêmes, mais pour la quête, c'est pas les mêmes. Enfin, vous avez compris. Donc il faut vraiment que je loot petit pois objet de quête pour que ça valide. Ah, je pense que j'ai aggro la map là, en jouant mon tour du LOL. Oui, voilà. Allez. Petit pot object tech, saut de raid. J'en loot des sauts de raid. Hein. Faut aller faire les raids un jour. Ouais, c'est bon ça. Alors, combien j'ai de petits pois là? 3 sur 5, allez. Ok. On va les amener un peu plus loin pour y voir plus clair, voilà. On y va. Oh, comment il trace vite, comme ça fait qu'il court aussi vite. Allez hop, bien évidemment, on a aggro un Sidol. Pip 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 pip. Et level up. Graine de pouvoir, petit poids, il m'en manque plus qu'un. Donc on y va, moi j'y crois. Allez, venez là les grands. Combien là? Deux toujours. Faudra pas oublier de le ramasser l'or. Ah merde, j'ai aggro le gros machin en même temps. Chier. Et là, je vais me retrouver submergé de petits pois là. Faut que je fasse vraiment gaffe. Il y en a qui n'ont pas survécu à des trucs. Ah là, ça y est. Ah ça y est, c'est le bordel. On va décaler parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Ah, c'est technique, hein, comme combat. Un combat tout en technicité. C'est bon, tu me le fumes, mon grand? Voilà, chocolat, petit pois, petit pois, petit pois. Ok, on va aller retrouver notre ami en ville. Et là, on devrait pouvoir, je pense, valider cette quête avec Eva Neji. Je suis passé niveau 12, j'ai pas fait gaffe, est-ce que j'ai appris des nouvelles compétences? Ça pas cri de combat, tiens. Vous connaissez pas? C'est nouveau, ça? Attendez. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Coup fort, c'est bon. Tire de projectile, c'est bon. Coup de joint, coup multiple. Hop, hop, hop. Alors, cri de combat. Oula, oula, oula. Eh, je t'ai pas dit de repartir. Reviens là. Cri de combat. Dur l'effet. Il y a probabilité de 100% de provoquer. Augmente l'attaque et la défense. Donc ça a un taunt, hein, tout simplement. On va se le mettre de côté, ça peut servir. Alors, taunt. Cri de combat. L'autre, c'est cri de morale. Le cri augmente le moral. Et ça taunt aussi. Alors par contre, quand je l'active, je vais regarder en haut à gauche, ici. Cri de combat, 2 minutes. Cri de morale. Ah ok, d'accord, donc ça dure à peu près 3 minutes quoi, à chaque fois. Pas con ça. Donc il faut penser à être sous buff constant, ça peut être intéressant pour avoir des bonus quand même de stats. Ok, très bien. Me v'la spécialiser. Je dois pouvoir équiper d'ailleurs de ma nouvelle fronde, là, mon lance-pierre, non? Qui était niveau 12. Voilà, ça c'est fait. J'ai viré ma catapulte dégueulasse de niveau 1. Et j'ai ça. Allez, on va voir Eva. Beau travail, merci. J'ai besoin de toi.
Allez, 1000 pièces d'or et plein de biens dans tout genre. Ok. Se téléporter, non. J'appelle tous les gardes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Niveau 12, espace-temps. Ah, il y aura un autre espace-temps, ce qui se trouvera dans les plaines de Nozville. Rendez-vous prochain épisode pour la suite du leveling sur Nostell MMORPG gratos. Nous sommes en 2020. Vaut-il encore le coup de jouer à Nostell? Je pense que oui. Lien en description de la vidéo si vous voulez me rejoindre. Gros bisous à tous, c'était 4, prenez soin de vous.